Hey tout le monde, je m'appelle Steeler, c'est bienvenue dans l'épisode 12 de Outlast. Yeah! Je sais pas si j'ai réussi à vous faire peur. Ah, c'est pas dans mon habitude d'être à quelques centimètres de la caméra. Mais ça faisait déjà très longtemps qu'on n'avait pas joué. Je me rappelais même plus qu'on était sorti de ce moment extrêmement intense où on a pratiquement perdu les couilles. Hein. C'était quand même foutrement violent. Et il y avait ce mec, en fait, qui est venu nous aider. Est-ce qu'il l'a fait intentionnellement? Hein? Vous avez compris le mot? Je ne crois pas. Donc, probablement qu'il l'aimait pas, peut-être qu'il a fait du mal à sa famille, il s'est dit, tiens, espèce d'enculé, c'est ma chance de détruire bien comme il faut, et il en a profité pour la faire. Mais là, à quel endroit faut que j'aille? Oh non! 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 Mais je peux pas courir! Je peux pas courir! Je peux pas fucking courir! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah! On voit rien! Pourquoi que mon night vision ne fonctionne pas bien? Ah! Il va m'avoir! Ouvre la porte! Non! Ah, fuck! Ça fait 2 minutes que l'épisode est commencé, je suis déjà mort. Bon, ici, est-ce qu'on peut rentrer? Bien sûr que non. La porte qui est ici, je peux pas y aller. Non, d'accord. À quel endroit qu'il faut que j'aille? Et on voit foutrement rien! Il me semble qu'on voyait plus clair avant. J'en suis convaincu. Ah! Ah, j'ai plus de batterie! J'ai plus de batterie! Je suis à 0 sur 10. Mais je peux quand même utiliser mon night vision? Ah! Aucune chance! Je vais peut-être réussir à me sauver! Non, il va m'attraper, il va m'attraper. Encore une fois. Ah, fuck! Ah, fuck! Allez! Cours et boite comme tu le peux! Oh! Allez! Pourquoi je te fais ça? Je viens de te le dire! Tu vas faire une fille de moi! Et ça m'intéresse pas du tout! Allez, allez, allez! Ouvre la porte! Ferme la porte! Super! Maintenant, tu te pousses, on ouvre cette porte ici, et on la referme. Génial! Allez! Oh! Ça fait 150 fois que je meurs! Ah! Woo! Woo! Hey! Yes! Oh! On s'en pète encore la jambe! Un peu plus! Ah! Oh, la vache! Yeah! Ma jambe est vraiment dans un sale état. Je crois pas honnêtement que je réussis à m'en sortir. Bah non, je peux pas m'en sortir parce qu'il me semble que c'est avant les événements. Bah malgré que lui, c'est un chercheur, donc peut-être réussi à sortir, qui sait? Ouh! Bon, ça sauvegarde. Cette porte nécessite une clé. Pas de problème, je vais te trouver ça rapido. J'aime pas les cuisines. Il y a toujours un sale boucher, dégueulasse, qui s'amuse à cuisiner des hommes, normalement dans ce jeu. En fait, il n'y a pas vraiment grand chose de normal dans le jeu jusqu'à maintenant. Ah, super, un conduit. Yeah! Une chance qu'il est pas vivant. Oh! Oh mon dieu! Oh mais c'est absolument dégueulasse! Mais quelle espèce de fou furieux a décidé de faire une œuvre d'art du genre! Oh my god! Si tu voulais faire un truc choquant, c'est réussi! Wow!
C'est sûr que ce putain de cinglé est encore parmi nous. Oh non. Oh non, il chante. Il est encore ici. Oh non. Quand un psychopathe chante, c'est encore plus épeurant. Fuck. Il chante quand même bien en plus. Je sais pas à quel endroit qu'il est. Je préférais quand il chantait. Je pourrais peut-être fermer la porte. Ah, derrière moi. Ça pourrait être plus efficace. Ah, moins que le mec soit là. Ah, ah, tu sais, quand tu t'enfermes avec le psychopathe, c'est toujours très intéressant. Ah. Il est en train de me préparer un genre de défilé de mariage parce qu'il veut se marier avec moi. Et pourtant, t'avais pas aimé le fait que je te quitte tout à l'heure. Tu me l'as bien fait savoir en me traitant de salope. Donc, à moins que... je crois que tu m'aimes vraiment. Toi, c'est de l'amour inconditionnel. Ce que tu veux, c'est te marier avec moi pareil. C'est sûr qu'on va voir un nom de passé. C'est classique. Yo? Non? Je prends la clé! Je prends la clé! Ok, le temps que lui aussi passe. Allez, pousse! Pousse! Passe! Blip! Ouvre la porte! Ferme la porte! Super! Ensuite, on fait quoi? On s'en va ici? Non, pas ici du tout, qu'il faut que j'aille. Oh! 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 Il est juste ici. Merde! Yo, bitch! On ferme la porte! Bon, parfait! Ok! Cours! Cours! Blip! Ça me surprend même pas que ce soit ton œuvre! Espèce de cinglé! On est presque rendu! Je l'entends derrière moi! Il va m'attraper le pied! Ok, d'accord. Yes! Ok, il faut sauter ici. J'ai la clé maintenant. Donc on devrait avoir la paix. Yes! Et on va fermer la porte juste au cas où ce qui nous suivait. Hein? Parce que les portes dans ce jeu-là, ça ralentit les psychopathes. Ça fait toujours plaisir. Oh oui! Maintenant, on va avoir accès aux hommes. What? Oh l'enfoiré! Merde! Arrête de me faire mal, je t'ai rien fait! Oh. Oh merde! Tout en gardant son calme, dit-il. Oh non! Il est en train de faire comme les autres! Oh 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 oh! Oh my god! Oh my god! Je dois être l'homme le plus maltraité du monde, putain! Oh. Allez, allez, il faut que ça pète. Il faut que ça casse. Fais quelque chose. Oh, peut-être le mec de tout à l'heure. Allez, faut que quelqu'un vienne m'aider. Faites quelque chose. Come on. Non, merde, je vais perdre connaissance. Oh, yes, yes. Le toit est en train de péter. Oh non. Il me remonte encore. Il me remonte encore. Oh, oh. Allez, allez, allez. On prend sa souris. Oh, attends. What? What? Il va se faire couper en deux. Il va se faire couper en deux. Oh! 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 Oh, le bon enculé! Oh, tiens! Regarde ça! Enfin! Enfin!
T'es complètement transpercé, t'es complètement mort, espèce de petite merde! Tiens, je vais même boire ton sang. Tiens, fils de pute! Oh yeah! Oh my god! Mais c'est incroyable comment ce mec va avoir passé un mauvais quart d'heure absolument terrifiant. Je voudrais... Je sais pas si tu peux vivre vraiment pire, honnêtement. Il a tout vécu. Non, il a pas tout vécu, en fait, mais presque. Wow. Ok, ça vient de sauvegarder et... Holy shit. Vous savez à quoi ça me fait penser? Mais vraiment. La bande-annonce de Outlast 2. Avec la croix qui brûle à l'envers. Ça aurait peut-être rapport. Ça veut dire que la bande-annonce, pour ceux qui avaient fini le jeu dans ce temps-là, parce que moi je suis en retard, on s'entend, ça fait longtemps qu'Outlast est sorti. C'est peut-être la suite en rapport avec cette croix. Holy shit! Ok. Wow. Je pensais que c'était... Je croyais que c'était une vitre. Il y a des humains! Il y a des fucking humains! Hey! Hey! Est-ce que c'est le... On dirait le cinglé qui m'avait coupé les doigts dans l'épisode... Oui, c'est lui! C'est lui, regardez, on voit ses tubes de sang! C'est ce putain de cinglé qui m'avait coupé les doigts avec une espèce de grosse cisaille! What the fuck? On entend des coups de feu. C'est la TV qui griche! C'est la putain de TV qui griche! C'était par là qu'on avait rentré dans l'épisode 1! Par une de ces fenêtres! Oh la vache! Oh, je me rappelle de tous ces endroits! Oui! Regardez! Oh! La porte! La sortie, juste ici! Oh putain! Vous croyez que je peux aller ici? Non? Come on! Ah, il faut que je prenne les marches! Putain, je suis idiot! Allez! Si près de la sortie! T'es sérieux? Mr. Park! What? Oh non! Oh, l'espèce d'enfoiré! Arrête! Tu vas pas me tuer après tout ce que j'ai vécu! Oh! Oh que ça va pas bien filer pour lui! Oh que ça va pas bien filer pour lui! Woo! Oh! Le fantôme est où? Est-ce que le fantôme est rentré à l'intérieur de moi? T'as tellement vécu... Un bordel absolument incroyable. Ok. T'es sérieux? Ça peut pas finir comme ça. Ça peut pas finir sur un beau rayon de soleil et que je m'en vais avec les oiseaux qui gazouillent et tout. C'est officiel que je me rends pas. Je vais me faire décapiter à la dernière minute. Est-ce qu'un jeu d'horreur peut vraiment bien finir? Oh, le Jeep rouge! Allez, saute là-dedans! Oh, putain! C'est quoi ça? Oh non! Non! Come on! Vas-y au fond!
You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Non, mais après tout ce que t'as vu, je sais pas c'est qui cet homme mystère, honnêtement. On dirait l'agent 47. Avec la tronche qu'il a comme ça. Damn! Oh, j'ai pas le choix. Honnêtement, il faut que je transfère ces documents-là pour montrer à quel point que c'est absolument terrifiant. Let's go. C'est la fin! Oh! On a terminé encore un jeu sur ma chaîne. Je suis vraiment super heureux parce que ça arrive pas souvent. Généralement, je termine pas les jeux sur ma chaîne parce que soit que c'est trop long ou je fais trop de séries ou trop de gens en même temps. Et mon but, c'est plutôt de vous les faire découvrir. Mais comme j'ai terminé le premier, eh bien, j'ai terminé l'extension et je vais probablement terminer Outlast 2 quand il va sortir. Oh, wow! Sérieusement, c'était vraiment nice. J'ai adoré cette extension. J'adore la série Outlast. Et j'espère que pour le 2, ils vont nous impressionner. Et s'ils ont été avec un nouveau moteur graphique et qu'ils ont encore plus poussé l'expérience, normalement, on devrait en chier un bon coup dans le 2. Ah! Eh bien, si vous avez aimé cette série, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Abonne-toi et rejoins l'écurie pour ne rien manquer. Et sinon, eh bien, regarde dans la description, il y a un paquet d'informations. Suis-moi sur Facebook, Twitter et va visiter mon site web, lestheaters.com. Ah, je suis vraiment content, c'est nice. Quand je suis sorti, j'avais des frissons, j'étais comme oh, oh my god, on a sorti, on dirait tellement qu'on vit l'enfer que j'ai vécu un peu comme avec le personnage de dire oh mon dieu, je peux respirer de l'air frais. Ah, c'est incroyable. Bon, allez, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!